Les régimes totalitaires pensent que leur idéologie est un credo duquel il ne faut surtout pas s'éloigner. Pauvre de celui qui s'éloigne de la pensée officielle. Au nom des travailleurs qu'ils disent qu'ils représentent, sont commises les plus grandes arbitrariétés et des injustices. Dans ce cadre, je vais vous parler d'un mouvement ouvrier qui existait en Union soviétique. L'acteur principal de ce mouvement, c'était un ouvrier, un minier de la région des charbons de Donbass en Ukraine. Son nom, c'était Alexei Grigorovich Stakhanov. Alexei Grigorovich Stakhanov est né en 1927. À l'âge de 21 ans, il est allé travailler dans une mine de charbon appelée Centralnaya Irmino. Alexei est un homme peu instruit. Il n'avait atteint que l'école primaire et voulait établir un record dans l'extraction du charbon. Le contexte historique était le suivant. La jeune Union soviétique, après des années de guerre, d'abord avec la Première Guerre mondiale, puis avec la guerre civile qui a éclaté avec l'avènement du gouvernement bolchevique, a été fortement affaiblie. Et Staline, l'homme qui était au pouvoir après la mort de Lénine, voulait industrialiser le pays à pas de chien, quel que soit le prix. Au moyen d'un contrôle strict des travailleurs, il voulait augmenter la productivité en atteignant des mesures aussi drastiques que la peine de mort en cas de vol de biens publics, l'interdiction du droit de grève, le licenciement immédiat des travailleurs en cas d'absence au travail ou des sanctions sévères pour ceux qui étaient en retard au travail. Le sommet de toutes ces mesures coercitives était la création du passeport interne, chose absolument inconcevable pour nous. C'était un document au moyen duquel une autorisation spéciale devait être demandée aux autorités pour se déplacer d'une ville à une autre à l'intérieur du pays, et une interdiction totale pour les paysans ou les habitants de petites villes ou villages de s'installer dans des grandes villes. Mais revenons à notre Alexei. Le travail dans la mine de charbon était vraiment difficile, comme dans toutes les mines du monde. Le mineur devait travailler couché ou sur le côté pour pénétrer dans des petits tunnels que lui-même construisait, et avec une pioche, retirer le minéral des entrailles de la terre. Pendant ce temps, il doit soutenir avec des rondins les murs de tunnels que lui-même a ouverts dans son travail, et après tout cela, ramener le minéral à la surface. Un bon jour, Alexei a pensé que si quelqu'un se consacrait uniquement à l'extraction du charbon, et de ses autres collègues l'aider dans les tâches des étayages et des transports, la productivité pourrait augmenter. Il a convaincu les autorités du parti, qui, comme nous le savons, c'est la plus haute instance décisionnelle de ce régime. Dans la nuit du 30 au 31 août 1935, en seulement 5h45, lui seul réussit à enlever 102 tonnes de charbon, ce qui représentait 14 fois la norme établie pour une personne en 8 heures de travail. Plus tard, Alexei a pulvérisé son propre record avec l'extraction des 240 tonnes de charbon. En utilisant l'exemple de Stakhanov, l'objectif du gouvernement était que tout le monde, dans toutes les industries et tous les commerces du pays, dépasse la norme de production. Les dégâts des matériaux ou même les dégâts physiques des travailleurs importent peu. L'important était de satisfaire les ordres du grand chef. Bientôt, les idées d'Alexei Stakhanov sont devenues un mouvement appelé Stakhanovisme. Entre autres, on peut citer comme exemple le cas d'une fille ukrainienne, Maria Dechenko. Elle seule pouvait récolter une tonne de betteraves par jour dans les champs.
Elle fut bientôt présentée à Staline, qui lui demanda si elle pouvait en raconter non pas une, mais 3 tonnes. Nonchalante, Marie a répondu que beaucoup plus. Aujourd'hui, le terme stakhanoviste est encore utilisé pour désigner une personne qui, de sa propre volonté, a une grande conscience de son travail, un grand sens de la responsabilité professionnelle et est capable de le faire dans les meilleurs délais, même sans contrôle d'un patron. La vérité est que derrière le travail de Stakhanov, il y avait un groupe de collègues qui travaillaient pour lui, de sorte que les tonnes supplémentaires tant vantées extraites en si peu de heures ne pouvaient pas être attribuées à un seul homme. À la suite de ces mouvements, des écoles et des congrès stakhanovistes ont été créés pour que tous les grands ouvriers de l'Union soviétique viennent présenter leurs expériences et leurs recommandations pour accroître la productivité à la gloire du parti. Une de ces conférences tenues au Kremlin en 1935 a été suivie par un journaliste du Time Magazine des États-Unis. Cette revue faisait écho aux exploits d'Alexei Stakhanov et présentait notre héros en première page du Times Magazine. Dans un pays encore sous les effets de la Grande Dépression ou avec des grands problèmes de chômage. Tous ces mouvements étaient un mensonge inventé par Staline, monté pièce par pièce pour démontrer à l'étranger les grands attachements que les travailleurs soviétiques avaient pour lui. Le mouvement stakhanoviste s'est poursuivi pendant la Deuxième Guerre mondiale et même peu de temps après la mort de Staline. Avec Nikita Khrushchev au pouvoir et face aux grands mensonges que tout cela représentait, le pauvre et inutile Alexei, qui avait maintenant atteint un poste bureaucratique élevé au ministère des Mines de l'Union soviétique, fut renvoyé comme un sale Kleenex au village d'où il était venu. Alexei, notre héros d'aujourd'hui, est mort dans ce village à l'âge de 77 ans, par tout oublié. Il s'avait donné à l'alcool par ressentiment. Le moral que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est qu'on pourrait insuffler un peu de stakhanovisme à certains travailleurs pour qu'ils fassent plus rapidement et mieux son travail. C'est ainsi que j'ai fini mon émission d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous demande de vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait, de le dire à vos amis. Je vous remercie beaucoup pour suivre mon travail et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.